Et bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une petite information, de deux grosses informations en tout cas. Donc une qui concerne directement GTA 5 Online et une autre qui concerne tout simplement les personnes faisant des glitches, des lobbies et les youtubeurs. Donc si vous ne saviez pas, d'abord je vais présenter un peu le gameplay. Donc là vous êtes en train de vous dire what the fuck, qu'est-ce qui fait le tank? En gros c'est juste que j'étais avec un pote modeur, je lui fais une grosse dédicace, c'était King Weed, je te fais une grosse dédicace, merci d'avoir de m'avoir aidé à réaliser ce gameplay qui est vraiment what the fuck. Vous allez voir que le tank va faire des cabrioles pendant un certain temps, c'est vraiment très très drôle. Donc je reviens un peu sur ce que je disais, si vous n'étiez pas au courant, YouTube a tout simplement suspendu quelques chaînes, YouTube même énormément de chaînes, dont la GlitchHackFR, qui vous saviez, uploadait des vidéos de glitch sur GTA V, mais il y a plein d'autres chaînes qui ont été suspendues aussi, et faut savoir que c'est vraiment une galère pour pouvoir récupérer les chaînes. Donc, alors est-ce que c'est dû au glitch, est-ce que c'est dû à GTA V, ou alors est-ce que c'est dû à autre chose? Aucune certitude, bah j'ai aucune certitude, mais je pense en tout cas que c'est à cause des glitches. Rockstar on en a plus que marre nous proposions des glitches sur nos chaînes. Alors peut-être que ça arrivera sur ma chaîne un jour, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas faites vraiment attention sur GTA Online, n'abusez vraiment pas des glitches, ne faites surtout pas de lobby et n'abusez surtout pas des glitches et des mods. Faites en sorte de passer vraiment très discrètement sous les yeux de Rockstar. Ne faites pas des glitches et ne vous faites pas vraiment des milliards de dollars, sinon vous allez vous faire bannir et vous risquez vraiment très très gros. Donc faites vraiment attention. Moi personnellement, en proposant des glitches sur YouTube, je risque ma chaîne. Mais bon, moi je fais ça pour le plaisir, je perds ma chaîne, bah c'est le jeu de toute manière. YouTube c'est un jeu, c'est un jeu de chat et de la souris. Si tu te fais choper, tant pis. Si tu te fais pas choper, bah tant mieux. Mais c'est comme ça. Donc voilà, c'était juste pour la première partie. Maintenant je vais passer à la seconde partie qui concerne tout simplement GTA Online. Donc si vous ne saviez pas, du 29 août au 7 septembre, donc c'est-à-dire vendredi jusqu'à dimanche prochain, vous pourrez tout simplement appeler Meriwether, Lester, etc. Demandez tout ce que vous voulez et vous aurez moins 50% sur tout ce qui sur tout ce que vous allez commander. C'est-à-dire que la police ferme les yeux coûte normalement 5 000 $. Et avec ceci, maintenant, il vous coûtera tout simplement 2 500 $. Pour ceux qui ne seraient pas au courant aussi, il y a un double XP sur Call of Duty Black Ops 2. Je fais une petite parenthèse. Mais voilà, je l'ai vu, il y avait Nuketown 2025. Donc ceux qui ne seraient pas au courant et qui veulent monter de level, je vous invite à aller sur ce jeu. Donc voilà, je pense déjà avoir tout dit pour ces informations. En tout cas, j'espère vraiment qu'ils vous auront plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ça me ferait énormément plaisir. Et du coup, nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.